Bien, mes frères ivoiriens, la CAN est finie, mais la victoire n'est pas finie. Vous avez dit en commentaire, plusieurs personnes ont écrit que la victoire des Ivoiriens, c'est Dieu. Que pourquoi je montre seulement le travail des marabouts, que je montre aussi ce que les hommes de Dieu ont fait. Alors, je vais vous présenter le travail des hommes de Dieu. Et je vous invite à regarder attentivement et jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez voir ce que les hommes de Dieu ont dit et ont fait pendant la CAN en Côte d'Ivoire. Regardez attentivement. Si vous avez suivi cette veillée du 15 octobre, j'ai repris le drapeau de la Côte d'Ivoire, refoulé, rejeté, humilié par les nations. Humilié. Et j'ai pris le drapeau de la Côte d'Ivoire pour le déposer sur l'autel. L'autel de mon Dieu qui a été renversé dans ce pays est foulé aux pieds. L'autel de mon Dieu qui a été foulé aux pieds. Et on a entendu des gens dire, où est l'Éternel des armées maintenant? Seigneur, Père, là où Seigneur, nous-mêmes avons attiré le ridicule sur nous, je te demande pardon. Mais ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, je rétablis l'autel de l'Éternel dans mon pays. À cet instant, ce que j'applique sur cet autel, cette huile que tu as ouverte, que tu as appelée huile de toutes les possibilités. Père, rétablis la force de ton autel dans cette nation. Oui, je rétablis l'autel du Dieu vivant. Oui, je rétablis l'autel du Dieu de Jacob. Oui, je rétablis l'autel sur lequel le feu va descendre. Tout ce que j'étais en train de faire là, c'est ce que le Seigneur m'avait dit de faire. Je n'avais rien fait de moi-même ce jour-là. Et je ne fais rien en ce qui concerne notre pays venant de moi-même. C'est pourquoi vous voyez, je ne fais pas constamment de direct concernant la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Quand vous me voyez sortir pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il m'a dit sort et puis parle. C'est pourquoi matin, midi, soir, je ne fais pas direct sur la Côte d'Ivoire. Là, c'est les actions prophétiques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, les éléphants de Côte d'Ivoire jouent aujourd'hui sur la terre d'Ivoire. Tu déclares dans ta parole que le premier miracle de Jésus a changé l'eau en vin. Je refuse que la victoire revienne aux sorciers d'Akadjo. Je refuse que la victoire revienne aux mystiques. Saint-Esprit, que nos joies soient conduits par toi. Que par ta faveur et par ta grâce, tu nous donnes l'intelligence de Dieu. Que toute attaque contre la vie soit brisée. Mais qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ressorte un vainqueur éternel, Dieu de cette réponse. Non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Jésus. Amen. Alors, moi, il m'a le jour. Bon. Les gars, l'huile d'onction est toujours là. Chacun fait son boulot. Les gars, chacun fait son boulot. Oyez, que la grâce soit sur ta vie. Marie, on dit la pardonner, mais vous allez perdre. C'est pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, je vais poindre chaque joueur. Sois béni. Sois. Hey, bébé est cassé. Bébé commence. Petit, fais-moi plaisir. Bébé, tu ne chantes pas. Tu ne chantes pas. Va manger, il va manger beaucoup de riz. Petit, toi, tu es souvent triste, mais reste concentré. Mon fils, la défense est à toi. Petit, tu es un guerrier. Tu es un guerrier de la nation contre toi. Mon fils, toi, tu es un technicien. Tes lèvres sont un peu, tu me savas. Fanfana! Petit, merci, tu es concentré. Fils, la nation contre toi, je te bénis au nom de Jésus. C'est Joliet, c'est toi le guerrier de la nation. Serge, joue ton rôle. Dieu t'entraîne, tu es béni. Voilà, dis demain, tu es béni. Frère, mon fils, frère, Dieu est avec toi. Mon fils, la droite à lui d'attraper ça comme ça pour te dire petit, montre de quoi tu es capable. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Bien, vous-même vous avez vu, non? Vous avez entendu les hommes de Dieu, non? Vous avez entendu, vous avez vu les pratiques des hommes de Dieu, même à l'église, non? Vous avez vu, non? Voilà les hommes de Dieu. Ce qu'ils ont fait, ou bien ce qu'ils faisaient, ou ce qu'ils disaient, c'est quoi de différent de ce que les gens de Akadjo faisaient? Dites-moi en commentaire. Voilà deux hommes de Dieu bien suivis en Côte d'Ivoire qui faisaient leur nyanga nyanga là pendant la CAN. C'est différent de tout ce que les gens d'Akadjo là faisaient.
C'est ce que je veux savoir. Voilà ce que les hommes de Dieu ont fait pendant la CAN. À vous la parole. En passant, tous ceux qui sont malades là, écoutez attentivement ce docteur que je vous présente. C'est l'un des meilleurs naturopathes au Cameroun, docteur Gadéba. Écoutez-le attentivement. Je suis le docteur Gadéba, médecin naturopathe, chercheur indépendant et d'ailleurs même le meilleur chercheur indépendant à 2022 au Cameroun. Naturia Santé, c'est une clinique de naturopathie et un laboratoire certifié dans la fabrication des médicaments traditionnels. Naturia Santé, c'est une équipe de spécialistes qui vous procure des traitements à base des plantes 100% bio et sans effet secondaire. Et parlant des produits 100% bio, j'ai l'honneur de vous présenter le kit Bébé Gadéba qui a permis à une femme de 54 ans de faire son tout premier bébé, de goûter à la maternité. Le kit Bébé Gadéba, c'est ce kit qui a réconcilié plusieurs couples qui étaient à la porte du divorce parce qu'ils n'arrivait pas à avoir d'enfants. Le kit Bébé Gadéba, c'est ce kit qui a réconcilié plusieurs femmes avec leur belle famille. Ces femmes dont la belle famille avait tourné le dos parce qu'elles n'arrivaient pas à faire un enfant. À côté du kit Bébé Gadéba, vous avez aspirateur magique formule 2. Comme son nom magique l'indique, c'est un produit 100% bio qui terrasse les myomes, les kystes, les fibromes et le ver de femme en un si peu de temps et sans risque de reprise. Spermo Bio, c'est un granulé en poudre consommé avec du yaourt pour améliorer la qualité, la quantité et la morphologie du spermatozoïde chez les hommes. Power Destruction, c'est l'antibiotique le mieux indiqué pour terrasser le chlamydia, la gonocorcie, la syphilis, l'herpès génitale. C'est l'antibiotique le mieux indiqué pour des infections chroniques. Si vous souffrez d'hémorroïdes interne ou externe, chronique ou héréditaire, voilà l'idéale solution sans risque de reprise. Même si l'anus sort, voilà l'idéale solution pour retrouver la bonne santé. Nous disposons tout de même d'un laboratoire de diagnostic par résonance magnétique. Nous vous invitons à venir faire des consultations et diagnostics gratuits tous les samedis et dimanches de chaque semaine. Naturia Santé à Yaoundé, nous sommes situés à Ngousso, à côté de la station Petrolex, en bas de l'immeuble non achevé. À Douala, nous sommes à l'entrée lycée de Bépanda, en bas de l'immeuble en carreau blanc, dans la barrière. Avec Naturia Santé, votre santé nous est précieuse. Nous sommes et nous resterons toujours là pour vous. Surtout, abonnez-vous à nos différentes pages pour plus de conseils et d'orientations.